La victoire a son lot de pleurs et de défaites. La joie s'était rendue muette, la liberté avait été muselée. Dans les villes et leurs ruelles, les familles meurtries s'attachaient à l'espoir qu'un jour, elles puissent se reconstruire. La France de 1945 était en effervescence. Le combat qu'elle menait était crucial. Et les nombreuses batailles livrées se muaient du courage et d'espoir d'hommes et de femmes, à qui il ne restait que le sens du sacrifice, comme seule et unique arme. D'hommes et de femmes dont il nous reste finalement que quelques souvenirs. Ce soir, c'est aux souvenirs et à la mémoire que nous vous invitons pour trouver le sens de ces sacrifices profonds et comprendre l'incroyable courage qui a permis de remporter des batailles toujours plus nombreuses. N'oublions pas le combat qu'a dû mener la France pour se reconstruire, puis de ses familles, ensemble, soudés, célébrant dans des villes entières le retour de la liberté. Souvenons-nous de la joie, souvenons-nous de la victoire. Il y a 70 ans, la liberté retrouvée.